Good morning, allez, Iden, je serai aujourd'hui le Mishnah de David, Ben Fortune, Mazal Frishna et Lucien Matraina. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nazir, Perek He, Mishnah Gimel. Mi She Nadar Ben Nazir, Benishal Le Chacham Va Asaro. Mone Misha'a She Nadar. Nishal Le Chacham Ve Itiro. Aitalo Behema Mufreshet Tetse Ve Tire Ba Eder. אמר בית הלל לבית שמאי, אי אתם עומדים בזה שהוא הקדש טעות שתצא ותראה בעדר? אמרו להם בית שמאי, אי אתם עומדים במי שטעה וקרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שהוא מקודש? אמרו להם בית הלל, לא השבט קידשו. ומה עילותה והניח את השבט על שמיני ועל שנים עשר? שמה עשה כלום? אלא כתוב. שקידש את העשירי, הוא קידש את התשיעי ואת האחד עשר. On a plusieurs petits sujets dans la Mishnah, c'est-à-dire un petit sujet annexe d'abord, on le fait tout de suite, c'est Mishé Nadar ben Nazir ben Nishal le Chacham Vassarou. Quelqu'un qui a prononcé un vœu de Nézirout, avec, je précise comme c'est dit tout de suite dans le Barthénora, qu'avec un terme de Nézirout un peu flou, c'est pas évident qu'il avait commencé sa Nézirout. Il l'a dit... Je prends sur moi d'être comme Samson, le mari de Dalila. Et il s'est dit, Samson, c'est pas Shimshon. Et donc il a commencé, maintenant, bah, je suis pas nazir. Il commence à boire du vin, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, il s'est pas impurifié pour les morts pour le moment. Et au bout de six jours, il rencontre un rave et il lui dit, dis-moi, j'ai un petit peu, un petit doute quand même. Quand j'ai dit, je suis comme Samson, le mari de Dalila, vous connaissez Shimshon? Alors, je suis pas nazir, nakhon. Le Chacham il dit, mais bien sûr que tu es nazir. Ouais. Alors du coup, il dit, ah, j'ai bu du vin tous les jours de la semaine. Alors quoi? On a appris que boire du vin ne contredit pas la naziroute, n'annule pas la naziroute. Dans ce cas-là, il faudra commencer le décompte de la naziroute depuis le début de la semaine. Tant qu'il ne s'est pas coupé les cheveux et qu'il ne s'est pas impurifié pour les morts. Si c'est impurifié pour les cheveux, et si c'est impurifié, donc ça détruit la naziroute, il faut redémarrer. Et s'il a juste un problème qu'il s'était coupé les cheveux, alors on a juste une condition, c'est d'avoir des cheveux de 30 jours au minimum, donc il devra quand même attendre un petit peu. En tout cas, il n'a pas contredit la Nézirout, et quelques conséquences comme ce qu'on avait évoqué plus haut. Enfin, on ne va pas trop allonger, je traduis vite fait, donc je reprends Mishé Nadar ben Nazir, celui qui a prononcé un vœu de Nézirout avec un terme un peu flou, pas assez clair, et Vénichal de Chacham, et après il est parti demander à un Chacham, est-ce que c'est à source que j'ai fait? Va à Saro, il lui dit, bien sûr, c'est Azur, t'es nazir depuis plusieurs jours, eh bien, Moné Misha'a chez Nadar. Il devra compter sa Nézirut depuis le moment où il a prononcé sa Nézirut, et ça compte sur le décompte, donc ça fait déjà 7 jours qu'il boit du vin tous les jours, c'est pas grave, tant pis, il aura transgressé un interdit dans le doute, il continuera encore à attendre 23 jours, et puis il apportera son corban de Nézirut. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure, c'est que Nish'al le Chacham ve'hitiro. Il a posé la question à un Chacham, et le Chacham lui dit non, tu n'es pas nazir. On parle d'un autre contexte, il a pris un vœu de Nézirut, et puis après il est parti être Sho'el al-Nidro. Comme ce qu'on fait à la Tarat Nedarim, on est parti demander à un Chacham en lui présentant des circonstances atténuantes. J'avais mal évalué ma capacité de supporter la Nézirut, je te demande de me l'annuler parce que je refuse ou quoi. Et le Chacham il lui permet. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'entre temps, Aïtalo Behema Moufreshet. Il avait déjà prélevé l'animal pour les corbanotes. On savait bien que le nazir doit porter un al ola hacham ola chatat ve hacham. Je me suis trompé. Ola chatat ve shlamim. Et il devra porter donc trois corbanotes. Maintenant, il avait déjà désigné les corbanotes. Ouais, il a déjà passé, ça fait déjà maintenant 15 jours, 20 jours qu'il est déjà nazir. Il a déjà commencé à prévoir ses animaux. Et puis après, en entrant dans la cuisine, il voit le mariage, la carte de mariage, l'invitation du mariage de son meilleur copain, et puis c'est très bien avec son copain, obligé de boire. Comment ne pas boire? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va voir le Chacham, et il lui dit, j'avais oublié que j'avais un mariage. Si j'avais su, j'aurais pas commencé à le Nézirut tout de suite. Donc le Chacham, il va lui annuler le Néder. Maintenant, il lui annule le Néder. Qu'est-ce qu'on fait avec les corbanotes qu'il a désignés? Eh bien, Tetsé veut dire Eba Eder. Toute la Gdusha s'annule rétroactivement. Quand le Chacham il va permettre la Nézirut, il va s'avérer que tu n'étais pas nazir. Tu n'étais pas nazir, les corbanotes que tu avais désignés pour la Nézirut, ils ne sont pas du tout kadosh. Voilà pour les deux cas de la Mishnah. D'accord?
C'est l'essentiel de la Mishnah. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va entrer dans un débat complexe entre Beth Hillel et Beth Shammai en rapport avec les Mishnah précédentes. Donc, je reprends très rapidement d'abord les cas. Il y a le premier cas, c'est la personne qui a fait un vœu de Nézirut, mais qui pensait que ce n'était pas une bonne expression. Et le Rahamel le dit, oui, c'est une bonne expression, donc on compte rétroactivement. Ça, on met de côté, on a bien compris. Deuxième cas, c'est que il était nazir, il a désigné les animaux, puis après il va être Shoel al Nidro, il va demander au Chacham de déraciner le Neder, et le Chacham il lui annule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Et la Mishnah me dit, sache que les animaux, la Gdusha se dissipe comme un nuage, il n'y a rien du tout, ton animal, Tetsev et Tir'e Ba'eder, l'animal pourra sortir brouter avec le troupeau. C'est-à-dire, ça redevient un animal roulin complètement, il n'y a aucune gdusha dessus, il n'y a aucun problème. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est un din admis, même d'après Beth Shammai. C'est une halakha fixe qu'on tient à nous depuis les Chachamim, depuis Moshe Rabbeinu, qui a transmis aux Nevi'im et les Nevi'im, aux Anshei Knesset Agdola. C'est sûr, c'est une halakha comme ça. Du coup, Beth Shammai, Beth Hillel, il va dire à Beth Hillel, il va dire, vous vous rappelez maintenant le sujet qu'on a eu dans la Mishnah précédente. Est-ce que Hekdesh Taout, Shme Hekdesh ou pas? Quelqu'un qui sanctifie un animal de Hekdesh en se trompant. C'est-à-dire, il a voulu faire un Hekdesh, mais il a mal désigné la chose. On apprenait ça de Tmura, que d'après Beth Shammai, ça devient un Kadosh. On rappellera plus dans la suite, dans les détails, comment ça se passe exactement, mais en tout cas, le cas de Tmura initial, c'est que il prend une vache, il dit, ce mouton-là, je le rends Hekdesh. Et d'un coup, il voit qu'il lui fait, au lieu de faire meuh. Donc, c'est pas une vache, t'as dit, je sais pas, mouton, vache, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, on a bien compris. Et ben, le bête, dans la Tmura, c'est sûr que c'est un Hekdesh. Et même dans l'Hekdesh Taout, Beth Shammai, il pense que c'est quand même aussi un Hekdesh. Mais donc, du coup, Beth Hillel maintenant va rétorquer Amrou la même Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel rétorque à Beth Shammai. I atem modim beze sheu Hekdesh Taout, shetetse vatir eba eder. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec cette halakha que lorsque le Chacham va déraciner le Neder de Nezirut, eh bien l'animal il va complètement perdre toute la Gdusha qu'il avait et devenir un animal normal, parce qu'il s'avère qu'il a été sanctifié en se trompant. Parce qu'au moment où j'ai prononcé le vœu de Nezirut, je pensais que j'étais au moment où j'ai rendu les animaux Hekdesh pour apporter mes korbanot, je pensais que j'étais un nazir. Et lorsque le Chacham va annuler la Nezirut rétroactivement, il va s'avérer qu'en fait, je me suis trompé, je croyais que c'était un nazir, j'étais pas un nazir, j'étais un hippie avec mes cheveux. 120, je sais pas comment il fait le hippie, mais en tout cas, d'accord, il n'y a pas de... J'étais pas un nazir, donc j'étais pas nazir, il n'y a pas de Gdusha. Mais t'as fait un Hekdesh Taout, tu as été Magdi, tu as sanctifié l'animal, en te trompant, tu as mal évalué les données, et tu vois bien qu'il n'est pas Kadosh. Pourquoi il n'est pas Kadosh? Parce que tu t'es trompé, donc t'es d'accord. Dans ce cas-là, lorsqu'il va aussi sanctifier l'animal qui va dire le premier taureau noir qui va sortir de mon troupeau, je le rends Kadosh, et finalement il y a un taureau blanc qui sort, toi aussi tu vas dire que c'est un Hekdesh Taout, il a mal prononcé, il s'est trompé, il a mal dit, il a voulu, en réalité, le psychologue il va t'expliquer, non, il voulait réellement tous les taureaux, même noir, même blanc. Mais pourquoi il a dit noir? Parce qu'en fait il a cru que c'était un noir qui allait sortir. Bon, mais finalement il a dit un mauvais terme, c'est un Hekdesh Taout. Telle est la rétorque de Beth Hillel contre Beth Shammai. Ok, sur ça maintenant on a Beth Shammai qui va rétorquer à Beth Hillel. Ils vont un petit peu les rendre un peu fous comme ça, à leur dire un propos qu'en réalité c'est pas le réel propos de Beth Shammai, mais ils vont jouer un petit peu dans leur jeu. Ils vont jouer leur jeu. Que quoi? Il leur dit Amrou lahem Beth Shammai. Beth Shammai leur rétorque. Faites attention, je traduis d'abord tout, vous allez rien comprendre, après je vous explique. Iatem modim, n'est-ce pas que vous êtes d'accord? Bemisheta, avec celui qui s'est trompé. Vekara lachi, Assyrie. Il appelait le 9e. Le 10e, Vela Siri Chi'i, et le 10e il appelait 9e, Vela Khadasar Asiri, et le 11e il appelait 10, Shehu Mekudash, que tous les trois sont devenus Kadosh. De quoi on parle? C'est simple, pour faire le Maaser Bema, vous savez comment ça se passe? Tous les nouveaux nés qui sont nés dans la dernière période, là, par exemple, depuis Rosh Hashanah, pour le Maaser Bema, c'était à 1er Elul, tous les animaux qui sont nés depuis Sivan, depuis Shavuot jusqu'au, il y a plusieurs, on aura l'occasion de découvrir un jour, je crois qu'on en a déjà parlé même, que les animaux qui sont nés, il a eu 10 moutons, il a eu 20 moutons, 25 moutons même, qui sont nés depuis
Par exemple, Sivan jusqu'au premier Elul, premier Elul, il va dans l'enclos, il prend les 23 à part, il fait une petite porte, il prend un bâton rouge, ça s'appelle le chevet, avec de la couleur rouge, un pinceau, et il commence à faire passer les animaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, il met un coup de rouge. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on prélève le maaser béma, on les fait passer un après l'autre, et puis, tac, quand ça arrive le dixième, il met le coup de pinceau dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il a compté 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et surtout, il dit, papa, t'as sauté le 4, il dit, ah, 9, et donc on a le dixième qui est passé, et après il dit 10, ou bien, ouais, moi, je vais prendre un exemple exact, je ne peux même pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, son fils dit, papa, 9, ah, donc il y a le dixième qui passe, il dit 9, et après il y a le onzième qui passe, il dit 10. En fait, il a concrètement 3 10 qui sont passés. Et les 3, ils sont kadosh, c'est une halakha. Ça est fixé, comme ça, c'est déduit de... Je sais pas si c'est de psukim ou si c'est une halakha, moi j'ai une sinai, je ne sais plus. Mais en tout cas, les 3 sont kadosh. Il y a une halakha spéciale, à Siri et Kodesh, on apprend que même celui qui est à proximité du dixième, et le dixième, il est intrinsèquement kadosh, parce que c'est le dixième, et le onzième, il était aussi appelé kadosh. C'est-à-dire, autour du dixième, s'il appelait le neuvième et le onzième, il appelait dixième, il est kadosh. Même si il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10, le deuxième aussi est très kadosh. Et le dixième, il n'a pas besoin du compte pour être kadosh, parce que s'il est le dixième, lui c'est le beau gosse, il est dixième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10, il est kadosh, parce que c'est le neuvième qu'il appelait kadosh. Le dixième, il appelle 9, parce qu'il a repris le compte à l'envers, l'ami. Il s'est un peu embrouillé les pédales. Et maintenant, il a laissé passer le dixième, il est kadosh. Et le onzième, il appelle dixième, à Siri. Lui aussi il est kadosh, on a les 3 qui sont kadosh. Sur ça, Beth Shammai, maintenant ils utilisent ça, ils disent, mais je comprends pas, lui il voulait faire 3 kadosh, il a jamais voulu faire un, il a jamais voulu le rendre kadosh, aucun des 3, il a voulu rendre juste le vrai dixième, donc tout ça c'est un Ekdesh Taout. Et tu vois bien toi, Beth Shammai, Beth Hillel, que toi aussi tu es d'accord qu'on rend kadosh en se trompant. Voilà la rétorque de Beth Shammai. C'est-à-dire, Beth Hillel, il a dit, de la loi du Nazir, tu vois bien qu'une fois qu'on a déraciné la Nazirout, la Gdusha, elle se dissipe complètement, tout était un Ekdesh Betaout, tout est annulé, et lui il dit, tu vois bien, et Beth Shammai rétorque, tu vois bien dans le Maaser Sheni aussi, dans le Maaser Behema, que il n'a pas eu d'intention de rendre 3 animaux kadosh, il s'est trompé sur le 9e, et sur le 9e, il s'est trompé sur le 10e, sur le 11e, tu dis, les 3, ils sont kadosh, alors qu'au maximum, il en volait une. Si j'ai mal dit, ben fais rien, pourquoi tu me fais le 10? Ouais, pourquoi tu me fais le 3-10? Sur ça, Beth Hillel dit, oh là là, tu mélanges tout. Amroulem, Beth Hillel, on rétorquait, Beth Hillel, lo shevet kitcho. Là-bas, c'est pas un problème qu'il a rendu kadosh avec erreur, c'est pas le sujet. Pourquoi? J'ai une preuve atomique. Uma iluta'a v'iniach et hashevet al hashmini v'al hashnemasar. Et qu'est-ce que tu dis s'il s'était trompé et qu'il avait mis le pinceau sur le 8e et sur le 12e? Shema Sakloum, peut-être qu'il a fait quelque chose. Il n'a rien fait du tout, il n'a pas rendu kadosh. Or, s'il y avait une halakha que l'Ekdesh Taout fonctionne, ils auraient dû être kadosh, parce qu'en fait, on aurait dû dire que chaque fois que tu vas dire que ah, je prends cet animal, le cinquième, je dis, allez, c'est le Assyrie. Et je me suis trompé, je ne savais pas compter jusqu'à 10. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et je ne l'ai pas rendu kadosh, ça tout le monde est d'accord. Tu vois bien que quand tu rends kadosh, c'est pas parce que tu t'es trompé avec ta bouche, mais quoi, c'est une Xerata Katouv. C'est un décret de la Torah qu'elle a dit que ce qui est autour du 10e, tu lui colles la gdusha malgré toi. Indépendamment de ta volonté, c'est pas, on n'a pas se tromper, ça signifie qu'on a besoin de ta volonté, mais tu as donné ton accord en te trompant. Mais là, tu vois bien que c'est pas un problème de donner ton accord. On s'en moque de ton accord. Même sans ton accord, il sera kadosh. C'est pas parce que tu t'es trompé que ça marche. La preuve en est que parce que si c'était parce que tu as donné ton accord en te trompant, alors même le 8e et même le 12e aussi, ils auraient dû être kadosh. Or, ils ne sont pas kadosh. Donc tu vois bien que c'est un décret que la Torah a dit. Autour du 10e, tout ce que tu as sanctifié, il sera sanctifié. Ouais. Et là, Katouv Kidesh est à Assyrie. Là, le verset a sanctifié le 10e. Ou Kidesh est à Tchiv et à Hadassar. Il a dit que dans cette situation, il n'y a pas un seul maaser, il y a 3 maasers. Il n'y a aucun problème. On explique un petit peu mieux ce qui se passe, au cas où, que ce n'était pas assez clair. En fait, on a une problématique que quelqu'un qui sanctifie quelque chose en se trompant, il calcule, il évalue mal les données, il se trompe sur certaines données. Il a désigné, il a vu un taureau blanc, tout sale,
ou bien il avait les yeux sales, et il a dit que le taureau noir, je le rends kadosh. Ben Tchamaï me dit, écoute, il est kadosh, parce qu'on va selon ton intention, même si tes mots sont en déphasage. T'as dit noir, alors que tu penses blanc. T'as dit blanc, enfin bref, on s'est compris. T'es en déphasage. Mais malgré tout, on va selon ton intention de sanctifier, même si tu as mal dit, c'est pas grave, parce que même quand tu dis mal, c'est quand même kadosh. Plus précisément, Beth Shammai, il apprend le règle, le problème, il est que ce que tu sanctifies, ça devient kadosh, même si tu l'as fait sans intention. C'est un peu... D'accord? Donc, selon ce principe, Beth Shammai, en réalité, la preuve de Beth Shammai, il ne faut pas oublier, c'est pas comme ce qu'ils ont dit dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, ils ont voulu prouver ça de Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est de Maaser Behema. Maaser Behema, c'est une mauvaise preuve. Et même Beth Shammai, ils sont d'accord. En réalité, la vraie raison de Beth Shammai, c'est parce qu'ils apprennent ça de Tmura. Parce que Tmura, si tu prends, comme on a dit, tu prends un mouton et tu dis cette vache, elle est kadosh, et à la place de celle-là, que tu l'as rendu kadosh, quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord dans Tmura. Et là-bas, Beth Shammai déduit, tu vois bien que finalement, dès que tu as dit ça, c'est kadosh, ça devient kadosh, même si tu n'as pas lu l'intention, parce que Ekdesh Taout, Ekdesh, un Ekdesh que tu sanctifies en te trompant, ça devient kadosh. Maintenant, Beth Hillel, ils ont voulu prouver contre Beth Shammai de la preuve du Nazir qui déracine tout. Et en réalité, Beth Shammai, ils n'ont pas répondu la réponse à ça. La réponse à ça, elle est simple. Elle est que quand tu étais. Quand tu as annulé ton éder, il s'avère que tu n'étais pas Nazir. Or, quand tu as sanctifié les animaux, tu as dit je les prends pour Manezirut. Si tu n'es pas Nazir, tu as dit je les prends parce que tu pensais que ton chien, il devait apporter un corban. Et donc, tu prends un animal et tu dis je sanctifie ce corban pour le khatat de mon chien. Mon chien, à Shabbat, il a mangé, il a brouté de l'herbe. Et donc, il a transgressé un entier de la Torah. Allez, il va apporter un corban khatat. Et après, on lui dit, écoute, le chien, il n'est pas khatat. S'il transgresse un interdit, il n'a pas d'interdit, le chien. Donc, finalement, il s'avère que finalement, quoi, tu as dit n'importe quoi. Tu as dit que tu vas apporter un corban pour une cause qui n'existe pas. Tu t'es trompé dans la source. C'est pas que tu l'as voulu le sanctifier la chose, mais en évaluant mal les données. Tu l'as donné pour une certaine cause, que la cause n'existe pas. Même principe, tu l'as donné pour ta Nazirut, mais tu n'étais pas un Nazir. Tu croyais que tu étais un Nazir. Tu étais un hippie avec tes belles bouclettes. Tu n'étais pas un Nazir. Et donc, dans ce cas-là, tu n'étais pas un Nazir. Tu as dit, tu prends les corbanotes pour ta Nazirut, tu n'étais pas un Nazir. À la différence du cas où tu veux réellement sanctifier quelque chose et tu t'es trompé sur l'objet lui-même, alors là, la Gdusha, elle va fonctionner. C'est la réponse que Beth Shammai il donne en réalité sur la Nazirut. Et l'histoire du Maaser, c'était juste pour un petit peu piquer Beth Hillel à le pousser, mais en réalité, c'était pas la vraie raison de Beth Shammai, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une réplique d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.